sur Crash Bandicoot 2. Je vais changer peut-être les informations. Hop. Ouais, mais Plinks, bah du coup, il y a déjà les deux premières parties. Bah, il y a déjà la partie que t'as ratée. La partie que t'as ratée est déjà sur YouTube. Donc n'hésite pas à aller la voir. Et là, bah, tu rattraperas le replay demain. Bah, il y a moins d'une heure, il y a 40 minutes qui manquent pour aujourd'hui. Donc voilà. On termine l'aventure folle de Crash dans Crash Bandicoot 2. Après avoir terminé As Dux Falls, on enchaîne avec la fin de Crash Bandicoot 2 pour rager un peu. Tac. Et donc là, le jeu Crash Bandicoot 2. Tac, 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 tac. Et hop, on enchaîne. Yo, Tsutsu! Oh, Tsutsu! Comment ça va? Ça va? Le pilote! Le pilote! Ça fait plaisir de te voir sur Twitch. Comment ça va? Je fais ça demain sur le trajet du boulot. Alors, très, très, très fatigué. Et toi, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ça y est, ça a repris les compètes et tout là? Je fais ça de... donc tu verras Plinks pour les replays, la partie 2 elle dure 2h30. Il y a à peu près 2 heures de let's play et là la partie 3 elle dure 40 minutes. Mais tu vois le jeu il est complètement fou quoi. Il est complètement fou. Sur cela bah, nous on va entendre se qualifier pour les Olympiques. Moi contre Kylian on dort pas, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, mais j'espère tellement que... Mais c'est même sûr que vous allez y arriver. C'est même sûr que vous allez y arriver. Donc, Tsutsu qui est forcément pilote de la Grand Turismo Academy avec Kylian. Et donc là, bah, c'est les qualifications. Donc, c'est un par pays. Ah non, c'est un par pays. Ah mais oui, les Olympics. Oui, oui, là, c'est pas les GT Series. Ah ouais, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Putain. Un par pays. Bah les gars, hein, merde à vous, hein, dans tous les cas on sera derrière vous, hein, que ce soit toi ou Kiki. Mais voilà. Là les GT Series ils ont repris en mars, si je dis pas de bêtises. La compète elle a repris en mars. Avec toujours le comment ça s'appelle la finale en novembre. Et voilà, du coup là c'est les Olympics. Et du coup c'est quand la manche qualificative. Carrément, je vais un break. 6000 km en 5 jours. What? 6000 km en 5 jours. Putain, hein, c'est incroyable. Et c'est quand, du coup, là, les qualifications bah, des Olympics? C'est quand la grande date? Il y a Crash qui attend en mode bon, les gars, je fais quoi là? Putain, mais c'est vrai que Crash, en plus, on était au dernier niveau. Là, on va rager sec là. Il nous reste un monde. Un monde avec le boss. Oh là là, ça va être compliqué. Maintenant, il reste 6 jours, finale à Singapour du 22 au 25 juin. Incroyable. Incroyable. Putain, je vais trop suivre ça. Putain, bah, je croise fort les doigts pour vous, les gars. Franchement, déjà, c'est ouf de pouvoir en être aux phases qualificatives. Donc, déjà, bravo encore. C'est complètement ouf. Kylian en 1.14.910. Moi en 1.14. Waouh les gars, vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud. Kylian est quand même. C'est quand même affolant. En plus, il me dit que quand j'en parlais, bon j'étais sérieux, il me dit qu'il joue pas tant que ça, lui. C'est ouf. Et du coup, est-ce que vous avez testé du coup sur GT7 le mode VR? Parce que moi, je dois admettre que GT7, c'est pas ma tasse de thé. Parce que honnêtement, je m'ennuie un petit peu dessus. Parce que j'ai pas votre niveau. Par contre, j'ai tué le jeu en VR. Je lui ai mis 40 heures. Je le ferai quand je serai plus relax. Tu verras honnêtement. Tu verras honnêtement quand tu le testeras.
C'est affolant. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne de Toutou et comme ça. Et en plus, est-ce que tu diffuses sur ta chaîne les compètes ou c'est les trucs. Enfin, par exemple, la finale du 22 au 25 juin, ce sera uniquement sur la chaîne PlayStation et Gran Turismo ou on peut le voir aussi sur ta chaîne à toi? Ou sur ta chaîne à toi, c'est uniquement pour t'entraîner? Dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Dès qu'il y a GT World Series, je commence je les stream. Ah, trop bien! Trop trop bien, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bah en tout cas, putain, faudrait trop qu'on se fasse aussi une émission en cas avec Kylian et tout, qu'on parle de votre aventure sur les GT Series, ça pourrait être trop trop intéressant de se faire un petit débat. Ok, ça commence super bien. Ok, j'avais un masque que j'ai perdu déjà, donc ça commence super mal. En plus, là, tu me fais du bien du crash comme les... Ah bah là, moi, Crash, c'est mon petit... Ah, lui, ce... Voilà, j'en étais sûr. Crash, c'est la mascotte, hein, c'est la mascotte, c'est ma mascotte, même si... Je rage beaucoup trop sur le jeu. Ah, super. Là, on en est au tout dernier niveau de Crash Bandicoot 2. C'est-à-dire qu'après, il y a le boss final et après, on a terminé. Et la dernière fois, je me souviens, je suis mort en fait. Ben je suis mort tout simplement devant la fin en fait du niveau. Donc il y a eu un petit rage quit, je vais le confesser. Bâtard. Grand fan surtout de Crash Nitro Kart et Team Racing, Tag Team Racing. Tu n'as pas fait CTR, Crash Team Racing parce que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Ah donc je dois offrir 5 subs. Ah bah oui parce que la dernière fois il y a vraiment eu rage quit hein. Oh non, mais non, mais non. Il peut pas y avoir rage quit ce soir parce que là je suis obligé de le finir. Je suis obligé de le finir. Mais oui, la dernière fois je confesse, il y a eu rage quit hein. J'ai joué 2h30 au jeu. Et à la toute fin, je me suis dit allez dernier niveau, j'ai déjà passé pas mal de temps. Et je meurs Putain, mais c'est pas possible! Et... De toute façon, c'est foutu, il reste plus qu'une vie, c'est foutu, il va falloir recommencer. Et donc j'avais trop galéré et j'ai perdu, je crois que j'avais 6 vies, je crois, un truc comme ça. J'ai perdu toutes mes vies dans le niveau. Et quand j'arrivais... Mais non! Quand j'arrivais à la fin, à la toute fin, je suis mort, mais devant la porte finale, en fait. Qui faisait que j'avais terminé le niveau. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Voilà, c'est l'échauffe. C'est l'échauffement parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Donc là, on s'échauffe, on n'est pas sérieux. On va. Mais c'est une blague! Non mais c'est... Tu seras présent en finale mondiale cette année? Bah écoute, je vais essayer. Je vais essayer. Ça va surtout dépendre de savoir si PlayStation, si je suis sur la liste de PlayStation. Mais j'espère. J'espère parce que je connaissais les World Series un petit peu comme ça de nom. Et je suivais un petit peu de loin. Sauf plus, je savais qu'on avait une belle scène française. Mais là, c'est vrai que ça m'a permis de vraiment découvrir. Et j'ai trouvé ça génial. Et donc bah j'espère maintenant que j'espère être là. Putain. Parce que j'ai trouvé ça vraiment super cool. T'as fait des belles stories en plus. Bah ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais là en plus cette année si je viens, je pense que je ferais vraiment un reportage sur place.
Oh putain, mais non, mais Chris. Je pense que je ferai vraiment un reportage sur place. Sur vraiment les 3 jours de. Les 3 jours avec. Avec interview, etc. En fait, pourquoi il fallait faire ça? Il y avait rien de. Riche en émotions, le dernier. Ouais, je. Bah, surtout avec toi qui nous. Putain, j'avais pas vu. Puisque du coup, toi, t'as vraiment eu la poisse. Sur la dernière course, quoi. On était, mais je pense qu'on était aussi deck que. Enfin, pas aussi deck que toi, c'est pas possible. Hein. Mais on avait vraiment le seum avec ton volant qui. Bah, qui rend l'âme, quoi. Putain! Chris! Je pense qu'on va recommencer parce que là. Non, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Sur la manche la plus importante, il y a le volant qui rend l'âme, quoi. Qui rend l'âme. C'est. J'imagine même pas leur sensation, en fait. Parce qu'au final, tu. Bah voilà, c'est. C'est une saison entière à. Putain, mais c'est pas possible, je me concentre pas. C'est une saison entière à bosser, à se donner à fond. Et là où c'est la finale, c'est tout ça, t'as le volant qui lâche, quoi. C'est-à-dire que tu peux même pas t'en prendre à toi-même. Non mais c'est pas possible, le jeu il est bugué là. Quand encore c'est une erreur que tu fais, bon, tu t'as les nerfs contre toi et tout. Mais là quand c'est le matos qui rend l'âme, tu peux rien faire en fait. Tu te dis juste. Mais comment est-ce possible? Bah toute une année pour finir sur ça, moi j'ai pu regarder Coquet qui était. Ouais bah voilà, mais bon, c'est bien beau de regarder les autres, mais. Donc on croise les doigts cette année là. Là on croise les doigts cette année pour. Bah oui j'ai changé Reda parce que on a fini. Non mais. Allez, allez, on va recommencer du coup. Hein. Oh, le. What? What? C'est impossible! C'est impossible! Bah c'est mieux d'y jouer, oui, Plink, surtout quand t'es en finale des World Series, quoi. Déjà, quand tu joues pour plaisir, ton matos, il lâche, tu peux pas faire la course, t'as le seum. Mais quand t'es en finale des World Series, voilà. Bah oui, mon Reda, on a fini As Dux Falls, donc du coup, comme ça faisait qu'une heure qu'on streamait, je me suis dit, bah on va faire une autre petite heure pour finir Crash Bandicoot 2, comme ça, demain, on attaque Crash Bandicoot 3, quoi. Mais ce niveau de la mort. Allez, là on y va. Là on se concentre. Ouais, apparemment j'ai entendu que Thrustmaster a eu énormément de problèmes. Ce qui la fout mal un petit peu, quoi. Ce qui la fout mal un petit peu. Parce qu'on peut jouer sur la carte du. Bon, ben en gros, c'est les problèmes techniques qu'on peut avoir dans une course automobile, quoi. Mais bon, enfin, voilà, quoi. C'est pas une très bonne pub pour la marque, quoi. Et merde, putain! Ah mais oui c'est vrai que Reda t'es allé manger, c'est pour ça que tu étais plus là. Mais voilà, le temps que tu manges, tu pourras voir le replay demain. Ouais bah là j'ai eu de la chance. Ok. On est bon, on est bon. Et le petit checkpoint qui fait plaisir. Le petit checkpoint qui fait plaisir. Voilà. Voilà. Pas trop proche.
Ok, on prendra le masque. Après, on fait d'abord le bonus. Parce que si on perd le bonus, on perd le masque. Ok. Ça va, je viens me changer les idées. Ah bah comme ça vous allez me voir rager, ça vous change les idées, c'est ça? Quelle bande de sadiques. Ah mais non, 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 qui est con. Mais qui est con? Mais la baise! J'avais oublié. Yo Venturas! Bienvenue! Venturas, c'est Alex? Alex, il change 20 fois de pseudo, tu sais jamais. Venturas, déclinez votre identité. Est-ce que vous êtes Alex Venturas? C'est pas Alex, déjà pas de soucis, c'est juste parce que voilà, on a Alex Venturas qui change beaucoup de pseudo, donc voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas à être désolé, bienvenue sur le live, bienvenue. Comment vas-tu, Venturas? Première fois sur le live en plus. Mais non! Je suis trompé de. Plutôt que faire rond-croix, j'ai fait croix-rond. Forcément, ça marche beaucoup moins bien. Pourquoi tu fais ça? De quoi je fais quoi? Ben alors, CTR, on a fait un marathon ce week-end. J'ai fait les 100% de CTR en un stream. Après, je pense effectivement que je vais faire. Je pense effectivement que je vais faire Crash Nitro Kart et Crash Tag Team Racing par la suite, ouais. Parce que même si mon jeu de. Oh non! Même si mon jeu de prédilection c'est Crash Team Racing, bah, Crash Nitro Kart est quand même pas mal. Et même s'il n'arrive pas au niveau de CTR. Et je dois admettre que Crash Tag Team Racing, même si techniquement et tout, ça c'était pas le jeu de la décennie, c'était très sympa d'avoir un jeu mi-plateforme, mi-karting. Donc ouais, je pense que je vais le faire aussi. Ah. Ok, bon bah tant pis, hein, il y en aura une qu'on n'aura pas, hein, parce que sinon. Franchement, j'ai besoin de me faire. De... Entre me faire chier ou penser trop à ma crush, je préfère venir, tu vois. Pour... Ah, ben voilà, comme ça, tu penses à ton autre crush. Merci, mon Pling, ça me fait plaisir. Aïe aïe aïe, c'est jeune, je vous jure. T'es jeune, t'as 20 ans, t'auras. Oula! T'auras le temps d'avoir des crushs. Et voilà, c'était sûr. Putain, c'était sûr! C'était sûr que j'enchaînais trop de trucs là! Voilà, et ça c'est très intéressant de ne pas prendre le masque avant le niveau bonus. Comme ça vous êtes sûr de. À devoir, je l'ai adoré. Ouais, Nitro Kart était très cool quand même. En fait, c'est incroyable parce que je ne sais pas du tout comment passer ce passage là en fait. Là c'est compliqué. Putain, c'était sûr! C'était sûr! Maintenant, c'est à cause de l'autre bout de chou qui me fait réaliser que devant en me posant une question. Ouais, mais vous aussi, qu'est-ce que. Non! J'ai été passé! C'est pas une bonne idée de parler à Maël.
Comment on peut faire là? Je comprends pas. Hein. C'est un peu... C'est sûr que je vais me faire toucher. C'est sûr que je vais me faire toucher. Mais oui, mais je comprends pas. Comment tu veux... C'est... Comment tu veux passer ce passage en fait? Comment tu veux passer ce passage en fait? Oh putain. Oh non! Oh non! Ah! Oh putain, il manque une caisse! Le seum! Putain, c'était pas là que j'étais mort la dernière fois! Putain! Mais c'est pas possible! Mais si, je crois que c'était là que j'étais mort! Mais je crois que c'était là, il me reste deux vies! Il me reste deux vies! Putain, vous allez voir que ça va refaire la même. Et si ça refait la même, je vais péter un plomb. Hein. Je vous le dis, je vais péter un plomb. Je vous le dis que ça va faire la même. Putain! Mais non! Mais non! Mais non! Ah, deux vies. On récupère une vie, allez, on a encore une chance. Mais c'est impossible! Si c'est possible! Et si c'est possible! Et c'est fait! Et c'est fait! Fallait pas se faire piéger, fallait pas glisser! Voilà les amis! Tu me raconteras ça, mon petit Pling, je te dirai comment ça marche la vie. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Merci Venturas, merci mon Plings, merci mon Reda! Merci Letty. Il compte s'en servir pour alimenter le super cortex vortex qu'il a construit sur sa station spatiale. Un seul balayage et tous les habitants de tous les mondes seront transformés en esclaves de cortex. Ne les laisse pas s'emparer des cristaux. Hey Shin, espèce de crétin. Elle lui raconte tout. Oh, oui, nous sommes de nouveau en ligne. Désolé de cette interruption. Bon bah, on va affronter le boss final avec une seule vie. Let's go hein. Let's go. Let's go. Oh putain, c'est un jetpack aussi. Oh putain, je me rappelle plus comment le... Comment on... Attends. Et... Oh là là. Non. Oh là 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 là. La conduite du jetpack est incroyablement pourrie. Je peux pas le défoncer là? Ah! Ah! Attends, mais je perds pas de vie moi. Pas possible quand même. C'est tellement chiant.
Mais allez là! Ah d'accord, mais en fait faut le défoncer. Faut le défoncer avant qu'il arrive à la fin. Ok, génial. Non, 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 oh non, 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 j'étais de côté de lui, j'ai loupé! Et let's go! C'est tout? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Non, ça peut pas finir comme ça. Ça peut pas finir comme ça. Si! À ton avis, qu'est-ce qui est arrivé à Cortex? Et le super Cortex Vortex, il est toujours là-haut? Et bah la suite les amis ce sera demain. Demain on se fera un petit Crash Bandicoot 3. On se fera un petit Crash Bandicoot 3. Là du coup je pense qu'on va, on va conclure le live maintenant. Tout simplement parce que j'ai encore pas mal de taf à faire. Et donc du coup je vais en profiter. Et donc du coup bah demain on fera une soirée spéciale Crash Bandicoot. Non pas 2 mais 3. Du coup voilà. Sur cela les amis, bah, je vous remercie pour ceux qui étaient là ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et nous, eh ben, on se dit... eh bien, ça finit tous ces jeux. Ah bah oui, hein, là, il faut. Hein, il faut. Même si, bah, du coup, demain, on va attaquer Crash Bandicoot 3. mais il faut. C'est tellement rapide à demain les cracks. Ouais, ce soir, c'était un petit peu rapide. Mais en même temps, voilà, j'ai un peu du taf. Donc moi, ça m'arrange un petit peu de finir. On a fait 1h40 de live. Bon, c'est un petit peu moins que les 3h d'habitude. Mais voilà, j'ai pas envie d'attaquer Crash Bandicoot 3 juste pour 1h. Donc comme ça on se fera demain 3 heures de Crash Bandicoot 3 et donc voilà c'est mon épisode préféré en plus donc j'ai envie de bien m'y mettre. Sur cela les amis je vous souhaite une très bonne soirée à vous, passez une très très belle soirée, une bonne fin de soirée et nous eh ben, on se dit dans la semaine les amis 5 subs donc soyez attentifs je vous les offre à vous. Et ben voilà, nickel, merci mon Plinks, merci à Ventura, merci à Letty, merci à Reda, merci à Desnaz qui était là, merci à Tsutsu qui est passé tout à l'heure, merci à tous ceux qui étaient là ce soir et rendez-vous donc demain à 20h pour Crash Bandicoot 3. Salut à tous!